en avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le gong. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tam, ils sont venus pour gagner. Nous voici pratiquement à la fin de ce match et les deux équipes sont à présent à égalité. L'arbitre siffle le coup d'envoi. La New Team repart à l'attaque en jouant au centre selon une nouvelle tactique. Comme prévu, cette fin de match s'annonce très animée. Le but d'égalisation marqué par Landers a stimulé les joueurs de la Toho qui font tout pour conquérir le ballon au plus vite. Paul passe en retrait. Passe de Diamond sur Reims, mais Milton anticipe l'action. Balle perdue pour la Nuit. Et à toi, Marc. Longue balle en cloche de Milton en direction de son capitaine qui est démarqué. Amorti poitrine de Landers qui contrôle et relance l'offensive. Je te garantis que tu iras pas loin. Ce sera difficile de m'arrêter. Je suis un tigre. Vous l'avez déjà oublié? Landers évite un double tacle en s'envolant avec la balle. Dépêchez-vous! J'ai encore la force de marquer un but! Capitaine! Marque! Le brelan d'as de la Toho à l'attaque! Landers balle au pied, Melo à sa gauche, Bright à sa droite. Mais tout de suite, la défense se met en place. Même sans Olivier, la New Team sait sacrément se défendre. La progression de la Toho est stoppée. Landers se retrouve seul. Tous ses équipiers subissant un marquage extrêmement serré. Or, le temps réglementaire est quasiment écoulé. Marc se retrouve bloqué tout seul. Vite les arrières en renfort. On y va! Déboulé en masse des trois arrières de la Toho pour aider leur capitaine. Le temps qu'ils arrivent, ce sera trop tard. Il faut que j'agisse seul. Mais il semblerait que Landers n'ait pas l'intention d'attendre davantage. Évitant le mur, il part balle au pied sur sa droite. Son accélération a surpris la défense et le voici débarqué avec quelques foulées d'avance. Superbe contre-pied. Cette fin va sans doute permettre à Landers de tenter sa chance devant les buts. Courage les gars, ne vous laissez pas impressionner par sa puissance de tir. Intervenez. Où vas-tu ?
C'est pas vrai! Je suis à nouveau encerclé! Il faut pourtant que je tire au but! Landers évite le tacle de Harper, mais l'étau de la New Team s'en sert! Il a beau tenter de feinter ses adversaires, il ne parvient pas à sortir de ce guépier! Bon sang, il doit bien y avoir une ouverture! Il est coiffé, là! T'inquiète pas, il va réussir à trouver une solution. Landers est littéralement encerclé par six défenseurs et il reste bien peu de temps. C'est là. Ça y est, il a trouvé la faille. Et le voici qui s'y engouffre à toute vitesse. C'est pas vrai. En avant. On l'aura. Faut pas qu'il tire. Parfait. Maintenant, il n'y a plus aucun obstacle. Tous les défenseurs de la New Team se jettent en avant pour l'empêcher de tirer. Oh, mais t'auras pas le temps, Marc. Vite, capitaine. Vite, Marc. Tire, bon sang. Allez, prends un. Devançant tous ses adversaires, le numéro 10 de la Toho décoche son tir avec une violence inouïe. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais regardez Hatton. Il s'élance sur la balle comme s'il était le goal. Il s'est envolé les bras tendus comme un fer. Oui, superbe tête plongeante qui dévie la trajectoire. C'est de la folie. Oh, oh. Ah, oh, c'est pas de peau. Oh, c'était limite. Sans la tête d'Olivier, Landers aurait marqué à coup sûr. Le ballon a rebondi avec une telle force qu'il retombe à quelques mètres d'Hatton, lequel s'est redressé péniblement. Il va tenter de s'en emparer, mais son dernier effort semble l'avoir totalement épuisé. Il trébuche à chaque pas. Une telle force de caractère ne suscite que l'admiration. Hatton est blessé, à bout de souffle, anéanti, et pourtant, regardez-le. Hatton arme son tir. Mais où puise-t-il cette énergie? Quel courage chez ce jeune joueur. Attention, regarde, Landers est devant toi. Le tir d'Hatton est contré par Landers qui vient de traverser la moitié du terrain à toute vitesse. Le choc est tel que le ballon est projeté en l'air à une hauteur incroyable. Balle perdue pour les deux joueurs. L'arbitre hésite, il porte le sifflet à sa bouche. Allez, oui, c'est l'heure. Le ballon monte toujours à la verticale. C'est bien que ce match se termine par un duel entre nous. Tu t'accroches jusqu'à la dernière seconde. C'est ce que j'apprécie en toi. Tu es mon plus grand adversaire, Marc. Coup de sifflet de l'arbitre, cette finale se termine donc sur le score de 4 buts partout. Un score qui satisfera tout le monde, j'en suis certain. Selon le règlement, les deux équipes sont donc toutes deux victorieuses. Pour la Toho, c'est la première fois. Quant à la New Team, je vous rappelle qu'elle remporte le championnat pour la troisième fois. Oh, j'en peux plus. Je tiens plus debout. Les joueurs des deux équipes sont à bout de force, les nerfs lâches. Nous les voyons s'accroupir l'un après l'autre et tenter de retrouver leur souffle. Durant 120 minutes, ces jeunes joueurs ont donné leur maximum, nous offrant le plus beau match depuis que ce championnat existe. Bravo, vous avez tous été fantastiques. Oh, quel match génial, les gars. C'est la première fois que j'assiste à une finale aussi exaltante. 4 buts chacun, c'est incroyable. Nous voilà ex aequo avec eux, nous voilà champions aussi. Merci les gars, grâce à vous, je suis l'homme le plus heureux du monde, merci. C'est le délire dans les gradins. Un véritable tonnerre d'applaudissements. C'est fini, il a tenu jusqu'au bout. Bravo Marc, tu leur as montré que tu étais un vrai champion. Je suis fier de toi. Tu es un grand capitaine. Nous te remercions, c'est grâce à toi que nous avons gagné. Notre rêve s'est réalisé, nous sommes vainqueurs une troisième fois. C'est fantastique, c'est notre troisième victoire.
Oh, je n'ai plus de force. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mark, relève-le. Alors, tu reconnais quand même que tu t'es fait battre cette fois-ci? Non. Tu sais comme moi que c'est faux. Nous sommes vainqueurs ex aequo, mais je trouve que tu as fait un match extraordinaire. Je te remercie. Tu es le premier adversaire qui m'ait mis autant en difficulté au cours d'une partie. Regarde dans quel état je suis maintenant. Olivier, ça va? Non, je ne crois pas avoir mérité tous ces compliments que tu me fais. Et pour être honnête, j'ajouterais que si tu avais été en meilleure forme, le score final aurait sûrement été différent. Ah ouais, ça c'est sûr. Merci de t'être battu jusqu'au bout. Pour les mêmes raisons, je te remercie. Dans la grande tradition du football, nous voyons les deux capitaines échanger leur maillot. Ce geste symbolique est la preuve d'un bel esprit sportif. Ils se sont affrontés sur le terrain, le match est fini, les adversaires deviennent des amis. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons pouvoir assister à la cérémonie qui clôturera le tournoi. Les officiels remettront le drapeau de la victoire aux deux finalistes ex aequo. Si les deux capitaines veulent bien s'avancer. Le président de la Fédération japonaise de football tend le drapeau à Mark Landers et à Olivia Todd. Les deux capitaines le prennent au nom de leurs équipes respectives, la Toho et la New Team. On vient de me communiquer que ce drapeau sera conservé par chacune des équipes un mois sur deux, et ce, jusqu'au prochain tournoi. Cette décision a été prise pour qu'aucun des deux clubs ne soit lésé. Accepterais-tu que nous le gardions le premier mois? Bien sûr. Bravo! Landers salue le public en brandissant la bannière de la victoire. Regardez, les gars! C'est incroyable, mais nous y sommes arrivés! Cette victoire, c'est la vôtre, à tous! Merci, capitaine! Vive notre capitaine! Je suis fou de joie! T'es génial! Bravo, Mark! Je suis très fier d'avoir contribué à faire de toi le vainqueur de ce championnat. Bravo, Mark. Bravo. Je vous félicite. Vous avez été formidable. Je suis très fier de vous. Vous avez très bien joué. Merci. On y est arrivé. Le drapeau est dans notre club. Monsieur, j'ai fait ma lettre, la voici. Non, ne fais pas ça, Mark. Ah, c'est pas vrai. Je vous remets officiellement ma démission. J'estime que je ne peux pas rester dans cette équipe après ce que je lui ai fait. Oh non, c'est toi notre capitaine. Non, je ne suis plus digne d'être le capitaine de cette équipe. Je me suis comporté en égoïste, en faisant passer mes ambitions personnelles avant toute chose. Je sais que je ne pourrai jamais me le pardonner et je préfère m'en aller. Voici ma démission. Non, ne l'acceptez pas! Refusez-la! Oh. Cette lettre ne m'est pas parvenue. Qu'est-ce que vous dites? J'ai eu un entretien avec le président et les dirigeants de notre club. Je leur ai donné les raisons pour lesquelles je t'avais évincé de l'équipe. Ils n'ont pas approuvé ma décision. J'ai donc dû résilier mon contrat et tu as pu jouer cette finale contre mon gré, sache-le. Mais c'est vous qui aviez raison. Je le sais bien, mais l'on doit s'incliner devant les avis des supérieurs.
Ne vous inquiétez pas, les gars, on se reverra. Je reste dans le monde du football. Je vais aller entraîner une autre équipe. Puisque nous allons nous quitter, je tiens à vous dire que vous êtes tous des joueurs remarquables. J'ai été très content de m'occuper de vous. Mais il est temps que je parte, alors je vous souhaite tous bonne chance. Nous considérons toujours comme la personne qui nous a menés à la victoire. Pour notre entraîneur, Hip Hip Hip. Merci, monsieur. Bonne chance à vous aussi. Je ne vous oublierai pas non plus, mes amis. Pas les douillets. Tu as résisté pendant tout le match. Tu peux tenir encore 2 minutes. Assez enflé, mais après un peu de repos, ça redeviendra normal. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il est préférable que je vous laisse tous les deux. Comment va ta jambe? Ça s'arrange? Oui, ça va beaucoup mieux. Parfait, j'aime mieux ça. C'est grâce à toi, tu sais. Je t'en remercie, Patty. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Dans quelques instants, le président de la Fédération japonaise de football va vous donner les noms des 24 joueurs sélectionnés en vue de former notre équipe nationale junior. On va enfin savoir qui fait partie de la sélection, hein. Oui, alors tu te tais et tu écoutes. Je vais vous donner les noms des 24 joueurs qui sont sélectionnés. Pour les gardiens, Edward Baird de la Tau. Alan Crocker de la New Team. Et enfin, Tony Brunner de la Flyer, les arrières. Rose Harper, l'arrière gauche de la New Team. Ah, il a dit mon nom? Clifford Hugh de la Irado. Et Ralph Peterson de la Alarm. On m'a choisi, c'est super. Je vous donne maintenant les noms des demi. Olivier Hatton et Paul Diamond de la New Team. Philippe Callahan de la Flynet. Danny Mello et Lucas Milton de la Toho. Michael Hilton du Majestic et Oscar Rice de la Nupette. Je passe maintenant aux attaquants. Mark Landers et Eddie Bright de la Toho. Sandy Winter de la Irado et Peter Sheik de la Flynet. Bravo, Sandy, je te félicite. Merci, Clifford. Jason Derrick et James Derrick de la Hot Dog. Maxi Gold du Majestic, Ted Carter et Johnny Messon de la New Team. Et enfin, Keith Coleman de la Muppet. Mais ils n'ont pas cité Julian. Monsieur Persson? Étant donné qu'ils ne m'ont pas sélectionné, ils acceptent votre offre d'entraîner cette équipe. Es-tu certain que tu en seras capable, Julian? Bien sûr. Alors, tu es engagé. Merci, monsieur. Tous les joueurs qui viennent d'être nommés partiront en stage avec moi à la fin de la semaine prochaine pour suivre un entraînement collectif intensif. Par la suite, les meilleurs d'entre eux feront partie de l'équipe qui ira disputer en Europe le tournoi international. Ils vont découvrir l'Europe, ça c'est génial! Chut! Mais tais-toi, Georges. Je veux espérer que tous vous saurez vous intégrer et vous impliquer dans cette nouvelle équipe, exactement comme vous avez su le faire dans vos équipes respectives durant ce championnat. Je tiens à vous prévenir d'ores et déjà que notre entraînement sera d'un très haut niveau, étant donné nos objectifs. Il est très important de faire bonne figure lors de ce tournoi en Europe. Car des résultats obtenus dépendra de notre participation à la Coupe du Monde. Oui, nous devons devenir les meilleurs. C'est réalisable. À condition que vous donniez tous votre maximum. Il faut que nous soyons les prochains champions du monde. C'est fantastique de voir des jeunes garçons aussi enthousiastes. Nous allons travailler très sérieusement pour arriver à un niveau de jeu que le monde entier nous enviera. Ce groupe constitue la base de ce qui deviendra notre future équipe nationale.
Je sais déjà que Marc et Olivier en seront les stars et deviendront l'exemple à suivre pour tous nos jeunes. Plus question de nous faire la guerre. Nous sommes dans la même équipe. À toi si nous sommes sélectionnés. Cette équipe serait restée dans l'ombre sans ton aide. Ça serait juste. T'as su nous guider vers la victoire 3 fois de suite, n'est-ce pas, Ted? Ça, tu peux le dire. C'est un sacré compliment que vous me faites. Je me souviendrai toujours de cette journée, même quand je jouerai dans une autre équipe, au Brésil. Merci, et bonne chance pour le Brésil. Roberto, surtout attends-moi. Mon rêve est en train de se réaliser. Toujours en paix.